بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers frères, mes chères sœurs. Le Coran se compose de 114 sourates. Et le Coran a commencé à être révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait 40 ans. Maintenant, nous allons nous intéresser à sourate Al-Alaq, qui est la première sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a donné le numéro 96 dans le Coran. C'est-à-dire qu'il l'a placé après 95 sourates. Et exactement après sourate At-Tin. Maintenant, si on additionne les numéros des sourates depuis le sourate Al-Fatiha, qui est le numéro 1, jusqu'à sourate At-Tin, qui est le numéro 95, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 80, plus 94 plus 95, on s'arrête à sourate At-Tin, juste avant sourate Al-Alaq, on va obtenir 4560. Et 4560 est égal à 114 fois 40. Vous voyez bien, nous avons 114 qui est le nombre de sourates du Coran et 40 qui correspond à l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque le Coran a commencé à être révélé à lui et lorsqu'il a eu la révélation de la première sourate qui est sourate Al-Alaq dont on vient de parler. Donc c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.